Pour réaliser un tote bag avec un vieux t-shirt, il vous faut un vieux t-shirt, une règle, des ciseaux de préférence, des ciseaux de couture, des épingles et une machine à coudre. Pour commencer, vous mettez bien à plat le t-shirt et vous visualisez le plus grand carré qui, est, qui se trouve juste en dessous des deux manches. Vous venez tracer une ligne juste en dessous des bras ou découper directement si vous êtes sûr de vous. Pour ma part, j'ai tracé une ligne avec un stylo blanc. Après avoir découpé le t-shirt, vous mettez le bout de tissu sur l'envers, c'est-à-dire les coutures comme ceci à l'extérieur. Sur le côté où vous avez fait votre découpe, vous venez mettre des épingles en faisant bien attention que les deux rebords soient collés. Ne vous inquiétez pas si après la pose de vos épingles, vous vous rendez compte que votre découpage n'est pas parfait parce que après avoir passé tout ça à la machine, on ne verra plus rien. Maintenant c'est prêt à aller à la machine. Vous pouvez coudre à un centimètre du rebord. Si vous n'avez pas de machine, vous pouvez toujours coudre avec une aiguille et du fil. Par contre, armez-vous de patience. Retirez bien toutes les épingles une à une quand vous passez à la machine. Pour bien finir la couture et pour bien la commencer, faites un nœud d'arrêt. Pour ce faire, avancez et reculez avec la machine. Après quelques points, c'est fini! Vous venez de finir les coutures de votre tote bag. Maintenant, vous pouvez retourner le t-shirt sur l'endroit. Vous venez de faire la base. Maintenant, il faut faire les anses. Avec la partie restante du t-shirt, vous tracez un grand rectangle. Ça va venir faire vos deux anses. Vous obtenez maintenant deux morceaux de tissu que vous placez sur l'envers et que vous pliez en deux. En d'autres termes, vous avez la partie la plus moche à l'extérieur. Vous venez placer encore une fois des épingles sur le côté et vous passez à la machine ou à la main. Encore une fois, vous venez coudre à 1 cm du bord. Une fois cousu, vous pouvez retourner les deux tubes. Une fois les deux anses finies, vous pouvez mettre ça en place avec quelques épingles et venir imaginer le tout. Une fois que le rendu vous satisfait, c'est le moment de le passer à la machine. Il est important que le rendu soit bien solide, alors n'hésitez pas à passer plusieurs fois. N'hésitez pas à faire comme moi, à prendre les manches et en faire des poches. Pour ma part, j'en prends une et je la mets à l'intérieur avec des épingles et je prends l'autre pour la mettre à l'extérieur. J'ai donc préalablement cousu le bas de la manche pour en faire une poche. Et voilà. Et voilà, on a fini la réalisation de notre tote bag. Pour ma part, j'ai mis une poche à l'extérieur et une poche à l'intérieur. Maintenant vous pouvez retirer tous les petits fils qui dépassent et vous avez votre sac.